Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais Bonjour super tout bien. le monde, Allez, ici Caribou Canadien vous parle. On poursuit l'aventure du jeu. Black Sabbath. Under the skin du jeu. Black Sabbath. Caribou. Under the skin du jeu. Oh yeah. Caribou. Under the skin du jeu. Pour une fois, j'avais une clé pour entrer quelque part. Je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol quelque part. Ni là, je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol. Ni là, je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol. Ni là, je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol. Ni là. On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires. On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires. On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires. On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires. Dunn ? Thor ? Aucune idée. Dunn ? Ces deux-là ? Thor ? Ils me disent quelque chose. Dunn ? Ces deux-là ? Thor ? Ils me disent quelque chose. Dunn ? C'est lui qui est le docteur. Ils me disent quelque chose. Dunn ? C'est lui qui est le docteur. Ils me disent quelque chose. C'est lui le docteur. Ils me disent quelque chose. C'est lui le docteur. J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. De jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. De jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau. En voyant le téléphone, je me suis même si j'avais rejeté sa récompense pour avoir retrouvé Yale. Mais l'air de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale en dénonçant ma croix. L'air de rien, j'avais réussi à encacher un peu d'argent. Un petit pari ne pouvait pas faire bonheur. L'air de rien, j'avais réussi à encacher un peu d'argent. Un petit pari ne pouvait pas faire bonheur. L'air de rien, j'avais réussi à encacher un peu d'argent. Un petit pari ne pouvait pas faire bonheur. Un petit pari. Oui. Fraise des bois. Ouais. Bien le bonjour, monsieur. Oui. Puis-je vous demander qui sera le bénéficiaire bonjour, de votre pari? Oui. Puis-je vous demander qui sera le bénéficiaire bonjour, de votre pari? Oui. Puis-je vous demander qui sera le bénéficiaire bonjour, de votre pari? Oui. Puis-je vous demander John H. Blackmore. Je vois. L'événement Stone contre Yale au Madison Square Garden. Voir. D'accord. L'événement, le montant à 5 000 au Madison Square Garden. Le pronostic l'événement, le montant à 5 000 au Madison Square Garden. Le pronostic Yale vainqueur à 5 000 et le lieu de dépôt. J'avais relevé plusieurs emplacements dans le sous-sol d'O'Leary. Et le lieu de dépôt. Mais un seul m'était relevé plusieurs emplacements dans le sous-sol. En partie grâce à ma nouvelle boîte d'allumettes. Un seul la salle de billard, la iguane. En partie grâce à ma nouvelle boîte d'allumettes. La scène, bonne journée. La iguane. En partie grâce à ma nouvelle boîte d'allumettes. La scène, bonne journée. La iguane. En partie grâce à ma nouvelle la scène, bonne journée. La scène, bonne journée. La scène, bonne journée. La scène, bonne journée. L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. L'une des très rares idoles. Qu'est-ce que ça fait là ? Réellement améliorée avec l'âge. Qu'est-ce que ça fait là ? Réellement améliorée avec l'âge. Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que ça fait là ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ?
Un autre placard vide. Un autre placard vide. Un autre placard vide. Un autre placard vide. Tu continuais à la regarder tous les matins, après tant d'années. Et en étant à nouveau amoureux tous les matins. Oublier n'est peut-être pas une obligation. Et en étant à nouveau, peut-être que la douleur finit par se transformer en obligation. Et en étant à nouveau, peut-être que la douleur finit par se transformer en obligation. Et en étant à nouveau, peut-être que la douleur finit par se transformer en obligation. Et en étant à nouveau, peut-être que la douleur finit par se transformer en obligation. Et en étant à nouveau, peut-être que la douleur finit par se Ma très chère Mary, j'ai choisi de t'amener sur ce toit-là où... Ma très chère Mary, j'ai choisi de t'amener sur ce toit-là où... Là où est né... Ma très chère Mary, j'ai choisi de t'amener sur ce toit-là où est né notre amour. Là où est né... Ma très chère Mary, j'ai choisi de t'amener sur ce toit-là où est né notre amour. J'ai choisi de t'amener sur ce toit-là où est né notre amour. J'éprouve pour toi afin de t'offrir cette bague. J'éprouve pour toi afin de t'offrir cette bague. J'éprouve pour toi afin de t'offrir cette bague. C'est trop intime. 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 C'est par là qu'il est entré. Par là qu'il est entré. Hélène. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. Pfiou. Dunn pouvait-il vraiment s'offrir ce genre de luxe? Ou bien cherchait-il seulement à impressionner ce genre de luxe? Ou bien cherchait-il seulement à impressionner ce genre de luxe? La masculinité commence à travailler. 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 Quelque chose que j'arrive pas à trouver, ça me tente ses nerfs. Quelque chose que j'arrive pas à trouver, ça me tente ses nerfs. Quelque chose que j'arrive pas à trouver, ça me tente ses nerfs. Quelque chose que j'arrive pas à trouver, ça me tente ses nerfs. Quelque chose que j'arrive pas à trouver, ça me tente ses nerfs. Des repas tout prêts présentés sur un plateau, à manger devant la télé. Qui aurait pu s'imaginer qu'on finirait par nous nourrir, manger sans la télé? Qui aurait pu s'imaginer qu'en désirant... Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures, des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Évidemment,
Maintenant, je comprends comment Don a pu acheter l'appartement évidemment. Qu'il a partagé avec Marie. Maintenant, il faudrait que l'appartement soit vidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Maintenant, je voudrais que l'appartement soit vidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Maintenant, je voudrais que l'appartement soit vidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Il est clair que le cambrioleur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Il est clair que le ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé Les empreintes ne correspondent pas. Si O'Leary a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Si O'Leary a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Le surnom de Dunn n'était-il pas le Lynx tranquille? Je jurerais avoir vu ça sur une affiche dans le gymnase. Pourquoi la porte t'est fermée? J'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. Je dois parler à Sonia. Et j'avais beau peut-être chercher aussi à son oncle Tim. Je dois parler à Sonia. Et j'avais beau chercher aussi à son oncle Tim. Je dois parler à Sonia. Et j'avais beau chercher aussi à son oncle Tim. Je dois parler à Sonia. Et j'avais beau chercher aussi à son oncle Tim. Je dois parler à Sonia. Et j'avais beau chercher aussi à son oncle Tim. Je
Ça me rappelle, et je ne sais plus. Ça me rappelle, et je ne sais plus. De mauvais souvenirs. Vous êtes du genre pessimiste, hein? Ça m'évoque une impression de dernier jour de l'été. Ça m'évoque des scènes de joie, des paysages idylliques, des scènes. Cependant, la lumière est morbide. Je vois ce que vous voulez dire. Je n'en doute pas. Ça se voit dans votre regard. Nous nous sommes rencontrés à l'armée. Ça se voit dans votre regard. Nous surnommons les cinq Olympiens. Vu que nous étions sur les sportifs professionnels. Les cinq Olympiens. Vu que nous étions sur les sportifs professionnels. Les cinq Olympiens. Vu que nous étions sur les. Qui est le type à droite? Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire. Également médecin des New York Warriors. D'ailleurs, c'est Craig qui a réclamé son affectation à notre peloton. Ce ne serait pas Craig Spano, le type des plus pour les Morlaise. Effectivement, notre capitaine. Le type des plus c'était lui le plus âgé. Effectivement, et Lascar des New York c'était lui le plus âgé. C'était un orphelin, vous savez. Mais il aimait tellement le sport qu'il considérait le baseball comme sa famille. C'est lui qui a réclamé l'affectation de Mitchell à notre peloton. Qui est le type à gauche? Victor Zukovski. Qui est le type grand athlète. Littéralement couvert de médailles. Qui est le type grand athlète. Donnait-il déjà boxeur? Oui, je l'avais déjà vu combattre. Avant même de faire sa connaissance. Oui, il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. Il esquivait tous leurs coups à un poil près. Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. Si l'on négligeait de regarder jeu de genre, à ce niveau, c'était de la danse. On aurait presque pu entendre la musique. C'était de la danse. Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit éteint. Il laissait durer le morceau. C'était le roulement de tambour, suivi de la victoire soudaine. C'était un roulement de tambour. Que pouvez-vous me dire à propos de vous? Je venais tout juste de signer avec les Milestones. Je n'avais même pas encore participé à un match. Mais tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. Mais la guerre est venue se dresser en travers du chemin menant vers ce bel avenir. J'ai fait un retour triomphal. La meilleure période de ma vie. Vous vous souvenez de ce flic à l'hôpital? Celui qui m'a laissé entrer en échange d'un autographe. Vous pouvez me croire? Celui qui ne gagne pas un surnom comme bras d'acier en restant assis sur le banc. Un surnom comme bras d'acier. Qui aurait pu imaginer que je finirais par devenir Tim Jambes d'Acier? Que s'est-il passé? J'ai combattu les nazis pendant 2 ans. Là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Eurasie pendant 2 ans. Et pas une seule fois je ne me suis retrouvé à 3 ans plus tard. J'ai traversé la rue sans garder, je me suis retrouvé. Et voyez à quoi j'en suis réduit. J'ai traversé la rue sans garder, je me suis retrouvé. Et voyez à quoi j'en suis réduit. Que leur est-il arrivé? Zukovski a été tué le jour où Don a été blessé. Don a été déchargé avec les honneurs et il est rentré au pays. Il a arrêté la boxe et il a ouvert son jeu et rentré au pays. Mitchell, il a été réaffecté dans un hôpital de campagne. Mitchell et moi avons continué dans la même unité. Mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été. Après la guerre. Bah, qui ça intéresse après la guerre? Moi. Qui ça intéresse après la guerre? Moi. Qui ça intéresse après la guerre? Moi. Qui est devenu Mitchell? Mitchell? Allez savoir. Qui est devenu Mitchell? Nous nous sommes perdus de vue. J'espère que tout va bien pour lui. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement. Mais je ne sais plus trop. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement. Ah, s'il vous plaît, essayez de vous souvenir. J'ai l'impression d'avoir J'adorerais avoir de ses nouvelles. Je vais essayer. Qui est devenu Spano? Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. Qui est devenu Spano? Il a bien réussi. Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, je suis devenu son agent. J'ai été obligé de décrocher des contrats publicitaires, ce qui m'a permis de fonder mon agence. Mais ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Il est devenu Mossad. Il a commencé à se laisser aller. Et lentement, mais sûrement, il a commencé à se laisser aller. Et lentement, mais sûrement, il s'est retiré de la vie publique. Il a mis un terme à notre vie. Retiré de la vie publique. Je n'ai pas eu la moindre nuit. Il a mis un terme à notre vie. Retiré de 3 ans. Et pourtant, j'ai essayé de le contacter. Vous pouvez me croire. Et pourtant, j'ai essayé de le contacter. Vous pouvez me croire.
Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Dunn? Lui et Dunn étaient... Enfin, Spano a tellement changé. C'est difficile à dire. Permettez-moi de doubler vos honoraires. Vous devez retrouver l'assassin. Peut-être est-il possible que Dunn soit resté en contact avec Mitchell ou Spano. Peut-être même avec les deux. Il ne m'en a cependant jamais parlé. Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia. J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. Oui? Sonia? Non, elle est pas là, c'est de la part de qui? Où est-elle? Vous savez, c'est dangereux. Avez-vous déjà souhaité ne jamais être né? Pardon? Souvent. Trop souvent. Alors nous sommes dans le même bateau. Moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. J'ai détesté ma mère. Après notre arrivée à New York. À cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la pelouse fraîchement coupée. La seconde fois, l'odeur des médicaments fut à sa mort. Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. La troisième fois, lorsque mon père s'est totalement refermé. Pour m'avoir abandonné. Et voilà que j'ai sombré dans l'alcool. Il est mort. Vous réalisez à quel point vous l'aimiez vraiment? Je suppose. Mais ce n'est pas le pire. Je ne sais pas comment vivre sans le détester. Je ne sais plus qui je suis. Voilà qu'en plus, vous m'empêchez de détester Bobby, alors que ça aurait pu m'aider. Bobby Yale est innocent. Il ne mérite pas votre haine. Et alors? Bobby Yale est innocent. Ça changera quelque chose? Il ne mérite pas votre haine. J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Détestez-moi? Un bon détective aurait déjà retrouvé l'assassin plus tôt. C'est ridicule. Vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montré un peu plus reconnaissante. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous alliez intelligence et bon cœur. Mon père disait la même chose. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Vous faites trop d'efforts pour essayer de cacher le second point. Oublions ça. Vous êtes passé chez mon père? Oui. Le voleur y est allé avant de se rendre au gymnase. Ce qui me porterait croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et que cherchait-il? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Avec votre aide. Votre père a vendu son appartement. Les nouveaux propriétaires doivent emménager. Je suis désolé. Je crois qu'il a utilisé l'argent pour acheter un nouvel appartement avec La lettre que vous donnez expliquerait. J'aurais aimé avoir l'occasion de lui parler.
J'aurais aimé avoir le visuel du carton. J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. Les cinq Olympiens. J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père? Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. Ah. Eh bien, lui et mon père ont toujours été comme des frères. Vous a-t-il raconté qu'il lui a sauvé la vie? Votre père a sauvé Thor. Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne dans un chasseur lourd. Sikorsky était le pilote, mon père était le navigateur, et mon oncle était le canonnier. D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Sikorsky et blessé mon père. Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle. Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. Avez-vous déjà rencontré Mitchell, le médecin? Avez-vous déjà rencontré Spano? Que pouvez-vous dire sur lui? J'ai trouvé un grand baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. Ne me dis rien. C'est mon père qui a dû le mettre là. Et je ne me souviens pas qu'il possédait un gant dédicacé. Votre père avait très bon goût en matière de... Vous trouvez? Laissez-moi deviner. Il avait les mêmes goûts que vous, c'est ça? Exactement. N'imaginez pas à quel point ça me réjouit. Exactement. J'ai vu votre chambre d'enfant. Là, ça devient embarrassant. Je vois que vous êtes vraiment décidé à m'inciter à vous détester. J'ai trouvé curieux qu'il n'y ait pratiquement aucun jouet ni aucun souvenir de votre enfance dans votre chambre. Probablement mon dernier souvenir heureux. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison. Ça m'a amené à ce parcours énorme dans le jardin. Papa avait installé un panneau vacances énorme dans le jardin. Il y avait un X qui indiquait l'endroit. J'ai donc creusé pour trouver mon trésor. J'adorais la musique qu'elle jouait. La petite ballerine et le petit compartiment secret. Le secret que j'ai pu conserver là-dedans. Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot. Vraiment? Moi aussi j'aime bien Frank Papalia. Oui, le poster. Moi aussi j'aime bien Frank Papalia. Si je l'ai aimé, c'est uniquement parce que mon père le trouvait trop moderne. Mais je suis contente que nous ayons cela en commun. Vous aviez les mêmes goûts musicaux que nous ayons cela en commun. Vous avez froid? Un peu. Je devrais peut-être y aller. Vous avez froid? Un peu. Je devrais peut-être y aller. Vous avez froid? Un peu. Je devrais peut-être y aller. Merci d'être passé. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Se pourrait-il que Dunn ait réutilisé la même cachette?
Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babasser. Dans les films, les détectives et les criminels, ça ne rime à rien. Autant conserver son souffle et son énergie. Ça ne rime à rien. Autant conserver son souffle et son énergie. Par exemple, pour passer un dernier moment. Par exemple, pour passer un dernier moment. Par exemple, pour passer un dernier moment. Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babasser. Dans les films, les détectives et les criminels, ça ne rime à rien. Autant de conserver son souffle et son énergie. Les criminels, ça ne rime à rien. Autant de conserver son souffle et son énergie. Et en Chris! Je l'ai fait le style de. Et en Chris! Je l'ai fait le style de. Et en Chris! Je l'ai fait le style de. Et en Chris! Je l'ai fait le style de. Et en Chris! Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babasser. Dans les films, les détectives et les criminels, ça ne rime à rien. Autant conserver son souffle et son énergie. Ça ne rime à rien. Autant conserver son souffle et son énergie. Alors, ils ont dit quoi ? Rien de bien grave. Alors, ils ont dit... J'ai encore perdu l'une de mes neuf vies. Rien de bien grave. Alors, ils ont dit... J'ai encore perdu l'une de mes neuf vies. Non, c'est bien grave. Il vous en reste combien ? J'ai encore perdu l'une de mes... Je dirais que je suis dans le rouge. Il vous en reste combien ? J'ai encore perdu l'une de mes... Je dirais que je suis dans le rouge. Mais c'est toujours pas réveillé. Je dirais que je suis dans le rouge. Non. C'est toujours pas réveillé. Rien de ce côté. Je dirais que je suis dans le rouge. Non. Vulpin. Rien de ce côté. En huit lettres. Vulpin. En huit lettres. Vulpin. J'avoue. C-H-A-F-O-U-I-N. Ça rentre. Espérons que ça collera avec le reste. Ça rentre. Espérons que ça collera avec le reste. Ça rentre. Espérons que ça collera avec le reste. Ça rentre. Ça collera avec le reste. Bien, vous aviez raison avec votre chafouin. Qu'est-ce que vous aviez raison avec votre chafouin ? Il va s'en tirer. Qu'est-ce que il vivra. Avec Il va s'en tirer. Qu'est-ce que vous avez sur lui ? Rien.
Randali. Qu'est-ce que vous avez sur lui? Une sorte d'amoureux transi de notre système pénitentiaire. Une sorte d'amoureux par la fréquence de sa vie. Système pénitentiaire. Vol, agression, extorsion. Des associés. Il travaille toujours seul. Il n'a jamais donné ses employeurs. Il travaille toujours seul. Qu'il y en ait une. N'a jamais donné ses employeurs. Il travaille toujours seul. C'est notre arme. Jamais de preuves, mais quelque chose travaille toujours, c'est notre âme. Jamais de preuves, mais quelque chose travaille toujours, c'est notre âme. Jamais de preuves, mais quelque chose travaille toujours, c'est notre âme. Savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Marie Cornell sur le toit. Savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Marie Cornell sur le toit. Savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Marie Cornell sur le toit. Savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Marie Cornell sur le toit. Son pantalon est déchiré. J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase sur l'escalier menant au toit où j'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase. Je viens mais combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout le monde? Combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout le monde? Combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout le monde? Thank you.
Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn parce est accro aux sardines. Il n'y a bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson. Bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson. Bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson. Bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson. J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats où j'ai trouvé des traces faites à moi par les que mêmes chaussures à proximité des deux assassinats où j'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats où j'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à des Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Oula. Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Commencez à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. Vous avez autre chose que vous faut-il de plus? Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. Que vous faut-il de plus? Aucune n'est réellement concluante. Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. Essayez de me balancer les autres. Aucune n'est réellement concluante. Bon, vous avez raison. Pardonnez-moi. C'est notre homme. Non, ce n'est pas notre homme. Pardonnez-moi. Décidez-vous. Ce n'est qu'une marionnette, ce n'est pas notre homme. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Ce n'est qu'une marionnette, ce n'est pas notre homme. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Ce n'est qu'une marionnette, ce n'est pas notre homme. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Ce n'est qu'une marionnette, ce n'est pas notre homme. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Je commence vraiment à avoir des doutes à son sujet. De peut-être mire de cause un peu vraiment à avoir des à ce sujet, ils l'ont laissé sortir. De peut-être mire de cause un peu vraiment à sortir. Il a été placé en garde à vue. On voit bien que c'est un athlète. Il s'est remis sur pied. On n'a rien. On voit bien que c'est un athlète. N'importe qui s'est remis sur pied. On n'a rien. On voit bien que c'est un athlète. Enfin bon, n'importe qui est en forme. Vous savez qu'on a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden et qu'on a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden et qu'on a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden. Eh bien. Première nouvelle. Eh bien, première nouvelle. Vite, choisissez, gentil ou méchant viol. Vite, choisissez, gentil ou méchant viol. Je suis méchant. Choisissez, gentil ou méchant viol. Je suis méchant. Alors, les fouilles merde. Je suis méchant. Ça vous a plu de faire les poubelles? Fouilles merde. Je suis méchant. Ça vous a plu de faire les poubelles? Ce cher Randall. Ça va? J'imagine que tu es conscient que tu es sur le point de te faire coffrer pour meurtre et que grâce au témoignage de M. Black Sad et que grâce au témoignage, l'avenir s'annonce des puissants. Va te faire foutre, sale clébard. L'avenir s'annonce des puissants. Va te faire foutre, sale clébard. L'avenir s'annonce des puissants. Va te faire foutre, sale clébard. T'as un problème avec les chiens, connard? Attends de voir ce que va te faire le chat. T'as un problème avec les chiens, restez en dehors de ça. Attends de voir ce que va te faire le chat. N'oubliez pas qui est le policier. Restez en dehors de ça. Pourrions peut-être te proposer un policier. Nous savons que quelqu'un t'a engagé pour tuer Jordan et Marie Pearl. Nous savons que quelqu'un t'a engagé. Que peux-tu nous dire à ce sujet, Jordan et Marie Pearl? Vous avez que dalle. Que peux-tu nous dire à ce sujet, Jordan et Marie Pearl? Vous avez que dalle. Que peux-tu nous dire à ce sujet, Jordan et Marie Pearl? Vous avez que dalle. Ton pote, le cheval de l'enfer, n'est pas vraiment du même avis. Ou plutôt, n'était pas de l'enfer, n'est pas vraiment du même avis. Fermez-la. Ou plutôt, n'était pas de l'enfer. Si tu nous dis qui t'a engagé, ou plutôt, n'était pas de l'enfer. Et qu'est-ce que j'aurais à gagner? Qui t'a engagé? Ou plutôt, n'était pas de l'enfer. Et qu'est-ce que j'aurais à gagner? Qui t'a engagé? Ou plutôt, n'était pas de l'enfer. À combien tu estimes ta vie exactement? Ne l'écoute pas, Randall. À combien tu estimes ta vie? Nous ne sommes pas des justiciers.
Par contre, nous pourrions nous arranger pour obtenir une réduction de peine significative. C'est un début, mais ça suffit pas. Je veux bénéficier du programme de protection de témoins. Une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle identité. Un nouveau casier aussi, sans ça je dirais rien. Et en attendant, je veux rester sous protection policière 24 heures sur 24. Je veux rester sous protection policière 24 heures sur 24. Attention! 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 J'ai peur que... Attention! Attention! Heureusement, la blessure de Smirnov était moins grave que celle de Randall. Heureusement, la blessure de Smirnov était malheureusement, moins grave que celle de Randall. La police n'avait rien pu trouver sur les toits. Mais malheureusement, notre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé. Je me suis vu contre le meilleur choix d'être sur le tueur nous ayant échappé. Un monde avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dit lire des histoires de pirates. Alors j'ai fouillé toute la maison. Papa m'a dit indice après indice. J'ai fouillé ma mère à un bar énorme dans le jardin. Où papa avait installé un bateau. Allô, résidence des Smirnov. T'es mort, c'est ma sœur. Allô, résidence des Smirnov. T'es mort. C'est du calme, les enfants. Résidence des Smirnov. Devinez quoi. Donna est du calme, les enfants. Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur les sportifs. Je suis au téléphone. Les notes de Donna ne sont pas les plus claires et je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait. Les notes de Donna ne sont pas voir nous aérer. Je vois sur une affaire de mort qui cherche une échelle. Très bien, mais je dois terminer quelque chose avant. Je tenais à aller au bout de l'une de mes pistes avant de laisser une chance à Smirnov de venir. Je tenais à aller au bout de l'une de mes pistes avant de laisser une chance à Smirnov de venir.
D'après son calepin, Dunn avait rencontré Craig Spano au Sam Davis en calepin 4 jours après. Dégage de là, pauvre tchot. Je suis désolé de ce qui est arrivé à Marie. Bah, t'es désolé. C'est plutôt moi qui ai souhaité désolé. T'as une idée du boulot que ça représente. T'es essayé de faire tourner cet endroit à moi tout seul. Qu'est-ce que ça me faisait foutre de cette façon? Tire-toi. Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coup de poing. Mais j'ai préféré me fier à lui arracher les informations. Tout le monde est coupable de quelque chose. En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça? J'en sais rien et je m'en fous. Vas-y, fais-moi rire. En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça? J'en sais rien et je m'en fous. Je suis John H. Blackmore, du Bureau de protection des consommateurs. Je suis John H. Blackmore, du Bureau de protection des consommateurs. Il y a trop de tarés dans le coin, alors j'ai pris l'habitude de me montrer assez fier. Vous avez déjà mangé? Et je vous invite, cadeau de la maison. Réponds d'abord à mes questions. Bien sûr. Allez-y. Réponds d'abord à mes questions. Vous voyez, je suis à votre disposition, inspecteur. Allez-y. La peur l'avait rendu particulièrement Effectivement, Dunn était passé quelques jours auparavant en compagnie d'un chimpanzé. Apparemment, le bonhomme vivait chez son inspecteur. Dunn lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus. Elle avait invité à Dunn s'installer dans son Hop, minute. Pourquoi le bureau de protection consommateur s'intéresse à ce chimpanzé? Ce monsieur est mort d'une intoxication alimentaire. Spano avait donc emménagé chez eux. J'avais envie de croire que suite à la fusion de Rondal dans l'appartement, Spano allait regagner ses anciennes adresses. Mais quelle adresse exactement? Si chez les vivants on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres, il en va de même chez les vivants. Vers la moitié du 19e siècle, Greenwood est devenue la dernière demeure des citoyens les plus des penseurs, des scientifiques, des écrivains, des inventeurs, des penseurs, des scientifiques, des affaires, des politiciens, des policiers, des tisseurs, des proxénètes, et des politiciens, des policiers, des tisseurs, des proxénètes, et des politiciens, des policiers, des tisseurs, des proxénètes. Ici reposent les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever. Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme, vous saurez où aller. Mitchell, qui a combattu avec Dunn pendant la guerre, a cherché à se faire passer pour le médecin.
Une croix celtique. L'anneau est censé repousser le démon en réfléchissant la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser le démon. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. L'anneau est censé repousser. Super utile à cette heure de la lumière du soleil. Encore chaud. Encore chaud. Encore chaud. Les quatre bases qui gardent leur père. Les quatre bases qui gardent leur père. D'après le livre que j'ai trouvé chez Dunn, les amoureux du baseball viennent déposer des balles sur la chaîne Dunn Radwick afin de les amoureux du baseball viennent déposer des balles sur la chaîne Dunn Radwick afin ils ont peut-être été emportés par le curieux, à moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le curieux, à moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le curieux, à moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le curieux, à moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le curieux, à moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le curieux. À moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le cul. À moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le cul. À moins que quelqu'un ne se les soit approprié emporté par le cul. Ça rendrait encore mieux avec un crâne entre les battes. Ça rendrait encore mieux avec un crâne entre les battes. Ça rendrait encore mieux avec un crâne entre les battes. Ça rendrait encore mieux avec un crâne entre les battes. Si ce truc avait été là depuis plus de 30 minutes, il serait couvert de fourmis. Si ce truc avait été là depuis plus de 30 minutes, il serait couvert de fourmis. Si ce truc avait été là depuis plus de 30 minutes, il serait couvert de fourmis. J'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, j'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, j'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, j'ai jamais. Ils se transforment en démons.
Lorsqu'il chute, il se transforme en démon. 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 C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Jordan a rencontré quelqu'un au diner juste à côté de son gymnase. Jordan il a ensuite emmené cette personne chez lui afin qu'elle ne soit plus obligée de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de squatter dans le cimetière. J'ai trouvé un gant de baseball dans l'appartement de Jordan. Un gant signé par une véritable légende dans l'appartement. Chance, pas vrai? Un gant signé par une véritable légende dans l'appartement. Chance, pas vrai? Un gant signé par une véritable. J'ai toujours été un ardent supporter des New York Warriors, même si, pour être honnête, ils sont bien loin de leur niveau d'antan. Même si, pour être honnête, bien sûr, bien après le départ de Greg Spano, c'était plus pareil. Après le départ de Greg Spano, c'était plus pareil. Des Morlaix, vous pouviez pas trouver mieux. 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 Des Morlaix. Vous êtes qui vous? Vous êtes qui, vous? John Blacksad, détective privé. Comment va Joe? Une question à la fois. C'est à mon tour. Comment va Joe? Une question à la fois. C'est à mon tour. Comment va Joe? Une question à la fois. À votre tour. Comment va Joe? Une question à la fois. À votre tour. Comment va Joe? Une question à la fois. À votre tour. À votre tour. Pour quelle raison avez-vous été voir Jordan? Parce qu'il me cherchait. Pour quelle raison? Parce qu'il était déjà passé un matin. Qu'il me cherchait. Mais que j'étais trop gêné par ses initiales. Parce qu'il avait laissé une balle. Mais qu'il avait laissé une balle. Mais que j'étais trop gêné par ses initiales. Près de la terre. Parce qu'il avait laissé une balle. James Diner, demain, 12h30. Parce qu'il savait qu'il me le mettait. Qu'attendait-il de vous? Et qui cherche à vous tuer? Une question à la fois. Qu'attendait-il de vous? Et qui cherche à vous tuer? Une question à la fois. Et qui cherche à vous tuer? Comment va-t-on? Que faire dans une telle situation? Lui dire la vérité? Que faire? Risque-t-il pas de perdre la tête? Lui dire la vérité? Vais-je prendre un tel risque? Faire? Risque-t-il pas de perdre la tête? Lui dire la vérité? Vais-je prendre un tel risque? Jordan est mort. Il a été assassiné. Je l'avais bien. Jordan est mort. Il a été assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Jordan est mort. Il a été assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question à la fois. À mon tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question à la fois. À mon tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question à la fois, à mon tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une question à la fois, à mon tour. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi vous cachez-vous ici? Parce que je crains pour ma vie. Parce que c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. Parce que Don m'emmenait chez lui. Mais que le type qui a bousillé ma carrière est venu m'emmener chez tous les deux. Parce que c'est ce même enfoiré qui a tué son. Notre vieille amie. Parce que c'est ce même enfoiré qui a tué son. Notre vieille amie. Parce que c'est ce même enfoiré qui a tué son. Notre vieille amie. Parce que c'est ce même enfoiré qui a tué son. Notre vieille amie. Mitchell serait-il le chirurgien? Se pourrait-il qu'il soit la clé de toute cette histoire? Le chirurgien. Ce chirurgien soit la clé de toute cette histoire. À mon tour. Ce chirurgien soit la clé de toute cette histoire. À mon tour. Ce chirurgien soit la clé de toute cette histoire. À mon tour. Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. À mon tour. Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. À mon tour. Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. Parce que j'aurais déjà pu vous tuer depuis longtemps, mais que je ne l'ai pas fait. Parce que j'aurais déjà pu vous tuer depuis longtemps, mais que je ne l'ai pas fait. Ce chirurgien que vous avez mentionné, à mon tour, est présent sur cette photo. Ce chirurgien que vous avez mentionné, à mon tour, est présent sur cette photo. Hey, vous y êtes allé un peu fort. Mon oreille et mon amour propre allaient souffrir pendant des jours. Mais au moins, j'avais une nouvelle piste à suivre. Le chirurgien. Mais au moins, ce salopard avait échappé à ma vigilance en se faisant passer pour un médecin. Le salopard avait échappé à ma vigilance. Aussi bien déguisé, aussi bien caché, j'allais si bien déguisé, aussi bien caché. J'allais si bien l'église, je sens rien cacher de plus. J'allais si bien l'église, je sens rien cacher de plus. J'allais si bien l'église, je sens rien cacher de plus. Donc, si je résume ton histoire, hein? Il y a une affaire de corruption dans laquelle si tout un tas de sportifs est impliqué. Hein? Il y a une affaire de corruption dans laquelle notre marionnettiste est un certain Mitchell, un chirurgien qui a fait la guerre avec Don. C'est ça, Mitchell. Un chirurgien qui a fait la guerre avec Don. C'est ça, Mitchell. Un chirurgien qui a fait la guerre avec Don. Toutes les pistes que j'ai pu trouver mènent à Mitchell. Bref, j'en étais où? Toutes les pistes que j'ai pu trouver mènent à Mitchell. Trois. Vu que Don était sur ses traces, Mitchell a engagé un fourmilier pour se débarrasser de lui. Ensuite, étant donné que tu étais toi-même en train de fourrer ton museau là où c'est pas, notre bonhomme s'en est pris à toi. Mais le fourmilier a commis une erreur. Et Mitchell l'a buté pour effacer ses traces. Quatre. La clé de cette histoire est entre les mains d'un ami commun de Don et de Mitchell, Monsieur Craig Spallow. Tu lui fais vraiment confiance, Je pense que ce qu'il dit était vrai. Ça colle. Je pense que ce qu'il dit. Et ça confirme tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Ça colle. Et ça confirme tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Don a été assassiné 4 jours après avoir accueilli Spallow chez lui. Si ça ne fait pas de lui un suspect, franchement, Spallow chez lui. Ça se tient, ça ne fait pas de lui un suspect, franchement, Spallow chez lui. Ça se tient, ça ne fait pas de lui un suspect, franchement, Spallow chez lui. Ouais, ça pourrait se tenir. Alors, qui c'est le détective maintenant? Voyons un peu les différents suspects. T'as dit à Smirnov que tu commençais à avoir des doutes concernant l'innocence de Yen. Et O'Leary alors? Thank you.
toutes les passer. Pas toutes les passer. Pas toutes les passer. Pas toutes les passer. O'Leary n'aurait jamais envoyé Randall éliminer Dunn. Il l'aurait traîné dans son sous-sol, jamais envoyé Randall. Il aurait fait son petit discours et l'aurait tué. Il l'aurait traîné dans son sous-sol, jamais envoyé. Il aurait fait son petit discours. Non, je connais O'Leary. Il n'aurait pas envoyé un tueur à gage. Il est plutôt du genre à arguer ses choses personnelles. Il n'aurait pas envoyé un tueur à gage. Et Cassidy alors ? On est à 7, c'est ça ? Et Cassidy alors ? On est à 7, c'est ça ? Et Cassidy alors ? On est à 7, c'est ça ? Et Cassidy alors ? Je pense pouvoir exclure Cassidy de la liste des suspects du meurtre de Dunn. Il m'a l'air bien trop impulsif pour avoir planifié un crime aussi élaboré. Celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment que la théorie du suicide. Celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment. Donc il a manipulé les preuves afin d'un crime élaboré. Cassidy est trop impulsif pour avoir mis au point un plan aussi élaboré. Cassidy est trop impulsif pour avoir. C'est Mitchell qui tire les ficelles. Et tu sais pourquoi Mitchell qui tire les ficelles. Ouais. Parce que dans les romans, tu sais l'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît. L'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît. Dans un roman anglais, ceux du genre où tous les suspects sont morts dès le début sur le lieu du crime. Ceux du genre où tous les suspects sont morts dès le début. Nous avons probablement affaire à un roman américain. Dans lequel le détective n'a probablement affaire à un roman américain. Dans lequel le détective n'a probablement affaire à un roman américain. Tu crois qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles ? J'ai pas dit ça. Toujours pas qui tire les ficelles. Qu'est-ce que ça a donné avec Ellen Moore ? J'ai rien eu du tout. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Je lui ai demandé une double interview avec son petit ami, Alston. Vu que je ne suis pas n'importe qui, ils se sont fait un plaisir d'accepter. Vu que je ne suis pas n'importe qui, ils se sont fait un plaisir d'accepter. Vu que je ne suis pas n'importe qui. Parfait. À présent, passons aux questions. Je vais alterner entre vous deux. Ça vous évitera de trop vous ennuyer. Alors, alterner entre vous deux. Par qui on commence ? Ça vous évitera de trop vous ennuyer. Alors, alterner entre vous deux. Quand c'était tout pour l'aventure du jeu. Quand c'était tout Black Sabbath pour l'aventure du jeu. Quand c'était tout Black Sabbath pour l'aventure du jeu. Oh yeah.